Bonjour, chers karatéka, chers amis, chers élèves, bienvenue dans cette séquence d'aujourd'hui qui va être consacrée à des activités ludiques. Ce sera donc des petits jeux qui auront pour but de vous permettre de travailler vos techniques de karaté seul à la maison, mais avec des petits stimulus qui peuvent permettre soit d'améliorer le mouvement, soit de le rendre plus sympathique ou plus motivant à faire que simplement dans le vide. Et voici maintenant déjà la série d'exercices. La première activité ludique qu'on va faire, on va la faire avec les moyens du bord. On est confiné, mais on a tous des petits essuies. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ce petit essuie? L'essuie, il a un avantage. Quand je le jette et qu'il tombe, il met un certain temps à tomber. D'accord? Il est moins rapide pour tomber, en principe, qu'une balle. Alors, si je prends les deux, hop, la balle touche le sol avant l'essuie. Ça va être très intéressant pour l'activité que je veux faire maintenant. Alors, première chose que je vais faire, c'est me donner le sens de mon travail. Donc, je peux travailler sur le chogusuki, là, et je donne le sens de l'exercice. Le sens de l'exercice, c'est quoi? C'est de terminer toujours avec la main au-dessus de l'essuie, d'accord? Pas commencer à prendre et puis à tourner. Non, je viens prendre la relève et j'envoie. Ok? Ça me permet de travailler déjà, un, l'idée d'être un peu plus relâché lorsque je vais chercher avec mon tsuki, et ensuite j'ai mon repère d'espace, puisque je suis obligé de croiser devant moi. Voilà. D'accord, je travaille là. Maintenant, ça vous me direz, c'est pas très ludique, et je vous l'accorderai. Donc, le jeu que je veux faire, c'est celui-ci. Donc, je suis là, je vais lâcher l'essuie. Hop, tout simplement. Hein, je lâche l'essuie, mais dès que j'ai lâché, je ramène la main et je vais récupérer avec l'autre. Oh, voilà, comme ça. Là, et puis je renchaîne de l'autre côté. Oh, voilà. Oh, et je vais chercher. Ça va me permettre de travailler une certaine vitesse et un certain réflexe. L'avantage, c'est que je le contrôle moi-même. Maintenant, il faut faire attention. Parce que l'être humain, si vous voulez, je le fais avec les enfants ce jeu-là. Et je me rends compte qu'en fait, on a tendance à tricher envers soi-même. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme défi, comme tendance pardon, à faire? C'est ceci. Hein, on ramène l'essuie sur soi. Alors, on l'attrape, c'est facile. Ce n'est pas ça. Mais je tiens l'essuie très loin. Je le lâche et je vais le récupérer de l'autre côté. Si je veux, si j'ai du mal et que je veux avoir plus facile au début, je peux partir de plus haut et le reprendre plus bas. D'accord? Si je veux avoir plus dur, ce que je peux essayer de faire, c'est fermer les yeux. Donc, j'essaie de repérer où se trouve ma main. Je lâche. Hop, et je vais chercher. Hop, et je vais chercher. Je ne sais pas où il est, je suis obligé de me concentrer sur ma main. Voilà, ce sont des petites évolutions qu'on peut faire avec ce jeu-là. À vous d'essayer. Alors, je suis toujours avec mon essuie que j'ai emprunté, je ne sais pas à qui, et je vais travailler ici un peu un aspect du kumite, le gyakutsuki. Je vais employer le même principe que l'exercice précédent, d'accord, sauf qu'ici mon essuie, je vais pas le laisser tomber sur place parce que ça va être quand même très facile. Je vais essayer de le lancer un petit peu devant. Je suis là, je le lance devant et je vais chercher. Et mon objectif, du coup, ça devient de pouvoir lancer le plus loin possible l'essuie tout en étant capable d'aller le récupérer avec l'allongement de mon corps. Là, l'avantage que je vais avoir, c'est que comme je suis obligé d'observer, si vous voulez, le repère, eh bien, je vais probablement éviter les défauts qu'on a lorsqu'on voit, je pose cela par terre, lorsqu'on travaille dans le vide et qu'on travaille comme ceci. Certaines personnes, parfois, elles vont jeter l'épaule. Ici, je suis obligé de visualiser mon essuie. D'accord? Je suis là, je dois être prêt. Alors, je dois me tenir prêt parce que si je ne suis pas prêt, je lance. C'est trop tard, même si c'est un essuie. Donc, je me tiens prêt. Là, je lance devant, hop, je vais le chercher, je suis obligé, d'accord, de développer mon corps. J'ai ce travail-là qui se met en place. Bien sûr, pour ceux d'entre nous qui sont déjà un peu plus sérieux, vous pouvez après, on va faire ça, travailler hop, sur votre travail, hop, revenir sur un travail beaucoup plus ancré du gyakutsuki. On le fait à droite, on peut le faire à gauche. Toujours quand on est chez soi, regardez de ne pas travailler face à un objet qu'on ne voudrait pas voir détruire, d'accord, et travailler plutôt vers des objets où on peut aller chercher, d'accord. L'évolutif dans cet exercice sera bien sûr, au tout début, je lance
assez haut pour avoir le temps de voir. Et ensuite, au fur et à mesure, je lance, au lieu d'avoir une trajectoire très montante, très descendante, d'accord, je vais allonger ma trajectoire. D'accord? Comme ça, je vais être obligé là d'aller chercher plus loin mon essuie. Et je peux m'amuser avec ça. On s'amuse avec ce qu'on peut, mais sait-on jamais, je vous en prie, essayez. L'exercice 3 est la réciproque de l'exercice précédent. Mais rappelez-vous, on avait constaté qu'un essuie tombait tout simplement moins vite au sol qu'une balle. Donc on va emprunter une balle de tennis. Faites toujours ça dans une direction où vous êtes sûr de pouvoir jeter la balle, car si elle échappe de vos mains, elle part. D'accord? Donc les grands frères éviteront de faire en direction de leur petite sœur, par exemple. Alors, ici, même chose, je dois être beaucoup plus vite proche, je dois être beaucoup plus vite prêt, j'envoie la balle, je vais chercher. J'ai pas réussi. Ok? Allez, je recommence. Bien concentré là. Hop! Et j'attrape. Hop! Et je vais chercher. Hop! Et au fur et à mesure, j'allonge et je travaille ma lancée. D'accord? Attention que quand je lance devant, je risque parfois, malgré tout ici, de fléchir. Bon. Ok? Mais au moins, je travaille sur la réactivité. Alors, je reviens ici avec mon essuie, car ce que je vais vous montrer maintenant sera beaucoup plus commode à réaliser avec un essuie, un foulard ou une matière plutôt en tissu. D'accord? Donc, ici, je vais me placer. Je vais donner un défi. Plutôt pour les enfants qui ont du mal à voir quel est le sens du travail, qui ne vont pas être sur la technique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jeter mon essuie. Idéalement, il faudra avoir un plafond un peu plus haut pour donner un peu plus de vision et avoir le temps. Mais l'optique, après, ici, tant qu'on se comprend, ça suffit. L'optique, c'est quoi? C'est je jette, hop, et je vais mettre l'essuie. Je vais essayer de le réceptionner là, hop, sur mon bras, qui sera en forme d'ayoké. D'accord? Il est clair que si je mets mon bras trop incliné, quoique là ça fonctionne bien, d'accord, mais si je le laisse trop tendu, l'essuie va se retrouver sur mon épaule. Si je le plie, si je le plie pas bien, bah, il va glisser sur ma main et le bras sera pas bien, mais sera pas bien comme il faut. Là, je place comme si vraiment je voulais le réceptionner sans qu'il touche ma tête. Et là, on retrouve le positionnement du bras qui est relativement convenable. Alors, à défaut d'être très précis, au moins, il donnera du sens. D'accord? Une autre activité qu'on peut faire dans le même principe qui va travailler l'équilibre, c'est de jeter l'essuie en l'air et de le récupérer sur la jambe. D'accord? On va obliger un petit peu le corps, si vous voulez, à rester en équilibre et à préparer. Donc là, on a un exercice qui nous aide dans la préparation d'un maïgiri, puisque tout simplement, ben, l'enfant qui le pratique va apprendre. Wow, c'est bien, c'est chouette, j'ai un défi, je dois tenir, et lui, son corps, ben, il l'oblige à faire ça. Et quand l'enfant sera dans un âge un petit peu plus orienté vers l'apprentissage technique, ben, il aura le prérequis de faire ça et faire ça. D'accord? Pourquoi? Parce que la suite de l'exercice, ben, c'est le suivant. Tout simplement, je jette là, hop, et je récupère avec le pied. Je récupère avec le pied, donc quand j'enlève, mon pied se retrouve là, il est placé comme pour un maïgiri. D'accord, au lieu de se retrouver là, parce que si je mets le pied comme ceci, alors que je récupère par le pied, l'essuie va tomber. Donc j'ai là un stimuli intéressant. Une troisième étape, c'est de récupérer avec le tibia l'essuie. D'accord, quand je jette, hop, je mets le tibia. Et là, j'ai la perception de l'équilibre avec mon pied comme ça. Et donc, si vous voulez, les trois phases du coup de pied sont travaillées dans le jet. Enfin, les deux phases, puisque la première concerne l'armement, mais j'ai l'association de la cheville à l'armement qui est travaillée par l'exercice. Et ça, c'est à mon sens très très intéressant à faire avec les enfants. Certainement les tout petits de 4 à 7 ans, mais même jusqu'à 8-9 ans. Et ceux qui n'ont pas encore de base technique, qui ne sont pas encore en train de travailler vers un développement technique profond, tel que la maîtrise des katas. Ben pour vraiment les débutants, ben c'est intéressant. C'est autre chose que de rester chez soi. D'accord, c'est un petit peu dur pour les enfants d'avoir cette rigueur de se concentrer sur la technique. Allez, mais maintenant je vous laisse. À vous de vous amuser.